Elles sont proches. Borun, Borun, Myriam. Borun, mais belle réaction. Anne-Sophie Mathis qui paraît un peu plus touchée, hémorragie nasale, on va écouter. Il faut que tu rallonges, il est crevé. Reprends ta structure, reprends ta structure. Ne joue pas à son jeu, travaille avec tes qualités. Voilà. Tu m'entends, Anso? Travaille avec mes qualités. Voilà. Expire bien. Vas-y. Il faut que tu rallonges. Quand elle est comme ça devant toi, rallonge et là tu la verras arriver comme il faut. Regarde ce que tu fais. Regarde toujours ce que tu fais. D'accord? Ne te bats pas comme ça. T'es capable de le faire. Remontre-moi-le. Travaille un peu du tronc, rallonge. Elle est crevée comme toi. Quelques feintes, Anne-Sophie. Fais quelques feintes. Je n'en veux plus. Quelques feintes, d'accord? Ça va pas être facile pour les juges. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Vas-y. Parce que c'est coup pour coup pratiquement. Et c'est vrai qu'Anne-Sophie Mathis, si elle pouvait boxer à distance, ce sera encore plus simple pour elle. Aïe. Pas une seule seconde de répit. Et toujours ces coups qui partent de partout et qui font mal. Elle s'y prend un peu mieux, la Myriam, maintenant, sur les accents. En revenant avec des crochets là-haut, c'est bien. Et voilà la distance. Quel merveilleux travail. Et Anne-Sophie Mathis qui nous disait avant ce combat, j'ai souffert sur un ring, mais à l'entraînement, jamais en combat. Parce que à l'entraînement, c'était face notamment à David Guéraud, face à Tim Kekaya, les boxeurs du ring d'Ombalois. Et là-bas, ils s'en sont mis plein la figure. Et voilà pourquoi ça paye ce soir. Et c'est la même chose du côté de Marseille avec Myriam. Et vous savez qui est arbitre ce soir, Jean-Claude? Eh bien, c'est Daniel Talon. Et Daniel Talon, eh bien, on ne l'a pas vu. Et pourtant, le léopard, on le connaît. Ah oui, normalement, il n'a pas à intervenir. Combat d'une grande clarté, d'une grande correction, d'une grande intensité. Elle a baissé un peu, là, Anne-Sophie. Elle a été touchée sur un crochet gauche. Elle ne boxe pas suffisamment à distance. Elle s'est mise en fausse garde, maintenant. Si elle pouvait boxer avec ses atouts, évidemment, il y a en face la tornade. La tornade Lamar. Et quand on parlait du physique, Jean-Claude, à un moment, quand on s'est dépensé comme cela, c'est également la lucidité qui peut faire défaut. Et là, elle était touchée, Myriam, en arrière. En culot, allez, il faut revenir. Oh. Et les deux boxeuses. Oh là 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 là. Bravo, oh, on va y arriver. Bravo, mesdames. Myriam, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, il faut travailler. Hein. Okay. Allez, on attaque le 4e round. Ok? Myriam, il faut que tu te détaches là. Tes coups sont plus puissants. D'accord. Et elle en donne un peu plus faible. Ok? On en est là. Elle donne un peu plus de coups que toi, les tiens sont plus forts. Alors débrouille-toi à bien la bousculer. D'accord. Fais-moi un pied vers qui, Vomi. C'est bien analysé, je crois qu'en fait la puissance elle est chez Myriam, mais le nombre de coups, la précision pour Anne-Sophie Mathis, c'est très très bien et ça doit être très très serré sur le bulletin des juges. Allez, le 4e, 8, 9, 10, allez, fais notre nerf d'un peu, c'est là où ça va se jouer. Et on repart pour la 7e reprise. Les deux femmes sont très proches l'une de l'autre après 6 reprises. Ah, il doit y avoir du match nul dans l'air sur les cartons des juges. Il n'en est pas possible autrement. Avec ce qu'elles ont démontré, elles n'ont pas cédé un seul centimètre de ring. Ah, elle est touchée, Myriam Lamar, et elle réplique. C'est incroyable ce qui se passe sur le ring. Et les deux boxeuse qui lâche tous les coups. Incroyable, Anne-Sophie Mathis est en train de faire une démonstration d'efficacité, de précision. Et elle est... Oh là 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 là. Elles vont loin, très loin. Bon début de 7e. Pour Anne-Sophie Mathis. Ah oui, magnifique. On en a vu des combats féminins, Jean-Claude, de ce niveau-là, de cette intensité-là. C'est le plus beau. Oh,
donner, d'assister pour l'instant. Ah, le plus engagé, le plus équilibré surtout. Et quand vous pensez que ce genre de combat en Allemagne, chez nos voisins allemands, ça fait 5 à 6 millions de téléspectateurs sur les grandes chaînes nationales, et qu'il y a une ambassadrice qui aurait pu, qui aurait dû être là, et qui a annulé son voyage au tout dernier moment, c'est Laïla Ali, la fille du Grand Ali. Elle est encore debout. Myriam est encore debout. Et il arrête. Et c'est Anne-Sophie Matisse qui l'emporte. Surprise. Et c'est Anne-Sophie Matisse qui l'emporte. Myriam Lamar arrêtée. Elle était KO debout. Et ça pouvait devenir dangereux, à estimer l'arbitre Daniel Calon. Quelle désillusion forcément pour Myriam Lamar qui vient parler à Daniel Talon. Mais on ne reprochera jamais assez à un arbitre d'arrêter une boxeuse ou un boxeur. Peu importe, avant, les femmes ont donné tout ce qu'elles avaient, et Anne-Sophie Matisse a été grande, géante, et Myriam Lamar l'a été également. La nouvelle championne du monde WBA des super légers, Anne-Sophie Matisse. Le succès donc d'Anne-Sophie Matisse, nouvelle championne du monde WBA des super légers. Mais on n'a pas perdu de française, puisque c'est toujours une française. Ah oui, c'est bien, ça, c'est la belle affaire. C'est la belle affaire. Deuxième française à être championne du monde. Et je voudrais qu'on